Bonsoir, buonasera, benvenuti alla conferenza di vigilia di Mr. Tiago Motta di Kefren Turan. Come sempre chiedo a voi di presentarvi e di fare solo una domanda alla volta. Iniziamo la conferenza con le domande per Kefren. Buonasera, Giuseppe Bisantis di Radio Rai. Allora, ti chiedo da francese quali sono le insidie che troverà la Juventus nella partita di domani qui contro il Lille. Prego, rifai la domanda. Perché non avrei la cuffia. Da francese ti credo quali sono i problemi e le insidie. Non arriva, forse non arriva la traduzione. Arriva? Che troverà la Juventus nella partita qui contro il Lille. Il problema è che l'avrà demain. Faccio il traduttore, sì. Parlo in francese. Come vuoi? Come vuoi? Merci. Les difficultés qu'on pourra trouver demain contre Lille, c'est que c'est une bonne équipe, une équipe joueuse, avec des joueurs assez percutants dans toutes les zones du terrain. On sait qu'ils ont un bon coach, donc forcément ils vont avoir un bon plan de jeu. Mais je pense qu'on est préparé à ça, et c'est le plus important. Il y a des autres demandes ? Buonasera, Filippo Corna. Buonasera, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti, Kefren, dopo la partita di Udine, ti ha fatto i complimenti Tiago Motta, hai quasi fatto gol, visto che hai propiziato il gol di vantaggio. Volevo dire se tra tuo padre, Pogba, e tuo fratello, chi ti ha fatto il complimento più bello? No, ma mon père m'ha appelé après le match, ainsi que mon frère, e m'ont félicité. Mais si vous connaissez mon père, quand il m'appelle, c'est pas d'abord pour me féliciter, c'est pour me dire les erreurs que j'ai fait pendant le match, pour me dire ce que je peux améliorer. Et je pense que c'est ça le plus important. Vous imaginez, il y avait l'entraîneur qui l'a dit et papa aussi. C'est pas facile. Bonsoir, Kefren. François Herdenet, l'équipe. Vous avez affronté Lille l'année dernière avec Fonseca comme coach. Lille a changé avec Bruno Genesio. Quelle différence vous faites entre les deux styles de ces équipes ? Est-ce que pour vous, Lille a progressé par rapport également à ses performances en Ligue des Champions ? Est-ce que vous êtes impressionné par cette équipe ? Franchement, je pense que c'est à peu près le même style de coach. C'est deux coachs qui veulent avoir la balle, deux coachs qui incitent leurs joueurs à être libres sur le terrain et aller de l'avant. Et ouais, c'est vrai que je suis un peu surpris parce qu'ils ont battu deux grandes équipes européennes. Mais comme je l'ai dit, je sais très bien que Lille a de très bons éléments, des joueurs qui aiment bien percuter, des joueurs qui ont confiance en eux. Donc ils font des très belles choses. Buonasera Kefren, Giorgio Marota, Corriere dello Sport. L'altra sera Tiago ti ha detto, facendoti un complimento, che sei un giocatore diverso, che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri giocatori di centrocampo. Siete tanti, c'è tanta concorrenza. Vorrei capire in cosa ti senti diverso e speciale in qualche modo, no? In questa squadra, e che tipo di contributo puoi dare adesso che stai trovando anche continuità, visto che avevi degli infortuni. Je pense qu'on a tous des qualités différentes et c'est ça qui fait qu'on a une belle équipe. Après, pour ma part, je pense que ma différence, c'est le fait que je puisse un peu plus porter la balle et percuter vers l'avant. Et c'est ce que le coach m'incite à faire, toujours en gardant l'équilibre de l'équipe. Mais comme je l'ai dit, on a tous des qualités différentes et c'est pour ça qu'on est des très bons joueurs. Ciao, Antonio Paolino, Radio Bianconera.
Nel preparare questa partita avete pensato che questa squadra è partita in sordina, ha battuto Real Madrid e Atletico Madrid? È un pericolo in più sapere cosa ha fatto prima di affrontare la Juventus? Non, je pense qu'on a préparé, le match que, comme on prépare toujours les matchs, en respectant l'adversaire. Après, c'est sûr qu'ils sont en confiance en Ligue des Champions, vu qu'ils ont fait, qu'ils sortent de deux très belles performances. Et on est conscient et c'est pour ça qu'on, les respecte. Mais comme je l'ai dit, on respecte chaque équipe et demain, on va aller sur le terrain pour donner le maximum et faire, faire un très beau match. Kefren, ciao, volevo chiederti, oltre all'esultanza di Pogba, tu in campo lo ricordi molto, ti senti un po' il suo erede? No, no, pas du tout. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de Pogba, c'est un joueur magnifique, il a montré durant sa carrière. Moi, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, d'apporter mes qualités, mais non, je ne peux pas dire que je suis l'héritier de Pogba ou de qui que ce soit. Bonsoir Kefren, Raphaël Marquand pour Le Petit Gillois. Demain, tu vas retrouver Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, que tu as connu avec les Espoirs. Et dans le sens inverse, Timothée Weah va retrouver le LOSC, où il a joué. Est-ce que Tim t'en a un peu parlé? Et est-ce que toi, tu as un peu discuté avec Lucas Chevalier et Bafodé Diakité sur ce match? Merci. Oui, j'ai discuté avec, pas avec Bafodé, mais j'ai discuté avec, avec Lucas. Il m'a dit qu'il m'attendait au stade et je lui ai dit à bientôt. Et non, Tim, il n'a pas eu besoin de me parler de l'équipe. Je pense que je la connais assez bien. J'ai passé 5 ans en Ligue 1. J'ai eu beaucoup de confrontations contre cette équipe. J'ai déjà joué plusieurs fois dans ce stade, qui est un très beau stade. Mais je sais que Tim est très content de retourner, on va dire, chez lui. Ok, non vedo altre domande per Kefren, che ringrazio, e iniziamo con le domande per Mr. Thiago Motta.